Je me dis, bon, je prends mes bagages, je prends ma valise, je fais d'un billet ou là ou d'autre le et je laisse tout tomber. Je ne suis pas faite pour cette vie. C'est dur mentalement. Mais... Non, choisissez un autre métier, pas ça. Bonjour, Kim Tuto, le titre, j'ai quitté les Pays-Bas. Je fais cette vidéo parce que Kim a le premier jour les rachet, j'aime bien documenter de l'aventure, j'aime bien filmer des vidéos pour vous montrer ce qui se passe ailleurs, pour montrer la différence entre l'Algérie et certains pays. Had Marra, ça a été, en l'occurrence, ça a été les Pays-Bas, mais si c'était une autre destination, j'aurais fait de même. Daymen qol rohi ki nkhorj mli Pays-Bas, ndir had la vidéo, nhdar ala ga wach echt, ala wach arft fli Pays-Bas, wach ta'allemt, lhajat lmlah w lhajat lmachi mlah. La deuxième raison pourquoi je filme et je monte des vidéos et je publie des vidéos, c'est que qui comptait les Pays-Bas, quand un problème, un emploi du temps un peu chargé, mais ça, quand il work, je filme, je pouvais monter des vidéos, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu mon matériel, les serpoholés, ou rah kulchi. Mais, quand avec le train de vie de journaliste, je ne faisais que travailler, j'avais pas le temps de filmer et de produire des contenus à côté de mon travail. Il faut savoir que neuf YouTube, c'est pas MRA la journaliste, au contraire, je suis une personne qui a beaucoup de centres d'intérêt, et donc l'objectif de mes vidéos sur YouTube, c'est de montrer ces côtés-là. Le cadre ou l'image de Amira, la journaliste, la présentatrice. Donc, c'est ça l'objectif de ma chaîne YouTube. Les Pays-Bas. Il faut savoir que quand même, les gens ne savent pas dans quel cadre sont les Pays-Bas. 16. Et nous allons les comparer. J'ai été sélectionnée pour une bourse d'études, une bourse de courte durée qui est destinée aux professionnels ou là aux professionnels des médias, donc les journalistes et les gens qui travaillent dans l'audiovisuel. Je ne vais pas trop m'étaler sur de la bourse parce que malheureusement, je ne veux pas vous donner de mauvais espoirs parce que cette bourse d'études est destinée aux professionnels et même la candidature, ce n'est pas une candidature ouverte, ce n'est pas un appel à candidature ouvert, donc c'est destiné à une catégorie bien précise des personnes et c'est pas le plus important. Les choses ou les informations que je voudrais donner à travers cette vidéo, c'est ce que c'est quitter son pays et de se retrouver dans un pays différent pour une fille, une femme algérienne. Peut-être que beaucoup d'Européens, mais ils font mouche hadl hadja. La khatarch huma à l'âge de 18 ans, pour certains bien avant, ils échouent au hadhom. Ils sont très, c'est une société individualiste. Donc, ils échouent au hadhom, ils ont aidé une autre fille ou la radjil, ils sortent de leur maison, de leur famille, à l'âge de 18 ans, où ils échouent au. Sauf que pour nous, les Algériens, même si Anna, je n'ai jamais été assistée, c'est-à-dire même si j'ai vécu avec mes parents, je n'ai pas vécu seule, mais j'ai toujours été indépendante, mais quand même, Kouta Aïcha, dans un cadre familial, dans mon cocon familial. En avril 2022, j'ai pris mes bagages, début avril, fin mars, ouais, j'ai pris mes bagages et je suis partie aux Pays-Bas. Et ça, c'était... l'une des plus grosses décisions que j'ai jamais prises de ma vie. Même si moraha, j'ai pris une autre décision. Donc, c'était une décision l'ikbira bzaf, li jamais khdita fhiati. Donc, rahet aux Pays-Bas, du jour au lendemain, lqit rohi wahdi, livré à moi-même, je ne pouvais compter que sur moi-même. Ma kan hatta wahed, et de toute façon, même fdzaer fhiati, ma kouch ntkla ala bzaf nas fhiati, mais quand même, j'étais entourée. Mais, aux Pays-Bas,
كنت في بلاد ميم سي قبل ما نروح لي بيبا انا كنت سافرت في حياتي وعرفت دي بيي اوروبيان جي فيزيتي با مال دو بيي سا فا جوري ايمي فير بلوس جافي دون مي بلان دو فير بلوس كو سا مي سا فا كنت سافرت خرجت جو كوني لو موند اكستيريور ميم سي اون كوني جامي اسي اون جامي اسي دانفورماسيون مي نقدر نقولو في مون باجاج دو فواياج في مون هيستوريك ان توكا دو فواياج كان عندي سا فا كانو عندي دي ديستيناسيون كو جافي كوشي اي كي رحت او بيبا C'était la première fois de ma vie où je suis dans un pays où je devais compter que sur moi-même. J'étais livrée à moi-même. Donc, je suis allée chez moi du jour au lendemain dans un appartement. Il fallait que je gère tout. Le programme de bourse, quand tu as plusieurs, il y avait plusieurs formations. Donc, quand j'apprenais l'anglais, j'étais suivie psychologiquement parce que ça faisait aussi partie de ce programme-là, c'est avoir un suivi psychologique. La khatarch, voilà, tu débarques d'un pays, la culture est différente, le mode de vie est différent, la langue est différente. Et donc, il a fallu avoir un suivi psychologique. J'ai donné des conférences sur mon travail, sur ma personne. J'espère inspirer des gens, t'ma aux Pays-Bas, coûte une cara, coûte une t'allem l'anglais. Et le plus important, je pense, la chose que t'allem t'as le plus fait le bled, indépendamment des compétences que j'ai acquis, ce sont humainement parlant. C'est un pays qui m'a changé à jamais. Arftness, l'immeuble, écoute, j'ai connu mes copines, des amis, c'était le cano avec l'immeuble, International Friends, cano. Une ouahda min blad, une iranienne, une indienne, une de la Californie, une du Venezuela. Donc on était de tous les coins du monde et ce qui nous a le plus réunis, c'est, je pense, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, on venait pas de la même génération, mais je pense que ce qui nous réunissait le plus, c'est le fait que on était toutes exilées, on était toutes loin de notre culture, de notre famille, de nos familles respectives. Et donc c'était l'une de mes plus belles rencontres dans, je pense, de toute ma vie parce que هاد الناس اللي ما نعرفهمش ما كنتش نعرفهم وقفوا معايا اللي بالك des gens très très proches mais وقفوش معايا الناس لقيتهم بكيت معاهم ضحكت معاهم et je vivais un peu le rêve de chaque fille en tout cas chaque fille de l'adolescence là نعيش مع mes copines et tout انا je vivais dans le même immeuble que mes copines c'était un immeuble hein c'était pas une auberge ou là un hôtel ou là un internat à école pas du tout, c'était un immeuble, Winkey Nest, où Anna, j'avais la chance de vivre dans le même immeuble que mes copines. Et que j'ai rencontré, c'était lors d'une soirée ou d'une journée, d'une fête nationale. Et donc, j'étais dans le groupe les voisins, et c'est comme ça que je les ai rencontrés, et c'est comme ça qu'on s'est connus, que le courant est passé, et qu'on est devenus de très 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 bonnes amies. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Sorry, my nose is not blocking out. Say, you can say petit pain. Petit pain. Donc, humainement parlant, t'as l'air de faire des étrangers, des personnes de nationalités différentes, de différentes cultures. Mais aux Pays-Bas, je pense que c'était la meilleure période où surtout le contexte qui a fait que femme touche mental en fait que des gens t'aiment indépendamment et sans tenir compte en tout cas pardon sans tenir compte de d'où tu viens de ce qui tu es ce que tu aimes faire mais je m'aime faire aslak lounak faslak mais il est beau pour ta personne pour ce que tu représentes au moment T, pour ce que tu es au moment T, et parce que le courant est passé, parce qu'il y a une bonne énergie, et donc on se refait sur la même vibe, comme on disait. Et voilà, donc tu as le vrai amour, tu as un humain en tout cas, parce que c'est facile de se dire, ouais, avec Habib et tout, qui le même pays, qui parlent la même langue, qui en tout cas, on a les mêmes repères. C'est-à-dire qu'ils t'arrivent, qui te compte blad ou un autre ramad. En tout cas, c'était ça. A toujours été ma passion dans des pays les moins affreux. Même si
Je n'ai jamais été assez riche pour faire le tour du monde et mon rêve, c'est de vivre d'un pays à un autre et de me déplacer à chaque fois. On aura des pays les jamais ou n'est-ce les jamais ou place les balak Michigan n'est-ce Mais les Pays-Bas, c'était un petit aperçu de en fait ce que c'était vivre dans un pays que tu connais pas et de fréquenter des gens de différentes cultures, de différentes nationalités, même la langue. Parce qu'il y en a qui l'hackent aux Pays-Bas, oui, je comprenais l'anglais, mais je parlais pas. Et en phase d'apprentissage, donc ça m'a permis de fréquenter des anglophones, m'a permis aussi de perfectionner mon anglais et surtout en fait, ça m'a prouvé que être en contact avec des gens ou t'habnas ou t'koun sadiq ma'a nas hatta l'aura ce n'est pas un frein, je vous assure que l'aura ce n'est pas un frein. Et c'est une personne là itadar ma'akoum, je suis l'enfant unique de parents sourds-muets, donc je suis très très bien placée pour vous dire que la langue n'est pas un frein. Donc à la belle youchmentha, la communication qui dépasse en tout cas les mots, qui dépasse les verbes, qui dépasse la communication verbale. Et aux Pays-Bas, subhanallah, blé, en fait, on peut très bien aimer, sociabiliser, sans la langue, sans rien du tout. D'ailleurs, le bled de Ranafia, en face de chez moi, c'est peut-être dangereux ce que je vais dire, mais allez, je l'avais comme un exemple. En face de chez moi, Kain a une petite épicerie de proximité, et c'est des gens de nationalité pakistanaise, si je ne m'abuse. J'ai pu distinguer, mais je pense qu'ils sont des Pakistanais. Ils ne parlent pas un seul mot en français, mais ils ont un grand commerce et qui marche très très bien. Ils peuvent communiquer avec toi ou hello un commerce ou Raouna. Je pense que Raouna, de toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir un commerce dans un pays comme la France ou peut-être en Europe. Hein, c'est toujours intéressant. Et pour vous dire que pour réussir ou là pour sociabiliser, c'est vrai que la langue c'est important. Mais on peut faire sans. Je ne suis pas en train d'encourager Nes Yerich ou la Maïta l'aura bien au contraire. J'ai toujours été contre Insan Yerich Bled, mais l'aura t'a avec le Bled. Donc c'est pas normal. Yerich Bled, mais t'as avec l'aura et l'oukan, la base. Al-Muhim. Donc humainement parlant, j'ai eu beaucoup de difficultés. Yani, mon har l'oul el haqt f'had le Bled. Déjà, au temps normal, l'image les dit comme qui m'encolle, qui n'colle, n'har le ou le haq l'hadik bled, c'est mes bagages. Le haq, j'avais pas mes bagages parce que j'avais fait une escale Barcelone et à cause de l'escale et à cause de vueling, le haq les Pays-Bas ou qu'allez mes bagages vont être livrés chez moi 4-5 jours après. Donc 4-5 jours, j'avais rien, ni brosse à dents, ni serviette, ni vêtements de rechange, ni absolument rien. Le haq l'appartement, psaké. Quel de mon ordinateur, mon téléphone, chargeur, mes papiers évidemment, dirham, heureusement. Et donc, ça c'était la première difficulté des bitbéha. Bad ma dert 12 saa retard à mon premier vol fil Jazair, qad hasla fil matar ta Jazair 12 saa parce qu'il y avait des problèmes techniques, donc on n'a pas pu décoller, etc. Ou kan Ramadan, on mzia ma kout saima, la khatarch. De toute façon, ça c'est un autre sujet, mais c'était très 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 difficile. Donc c'était la première difficulté. Au Makoucha la balé que c'était juste un aperçu. C'était juste la partie visible de l'iceberg. Kenwis des difficultés énormes. J'ai pas craqué. Je pense que non, j'ai pas craqué. J'étais au bord du mental breakdown, mais je n'ai pas craqué et heureusement. Et donc, ça m'a permis, ça m'a permis de regarder وحدي براسي ونعرف شكون هي أميرة، شكون هي لا فغي أميرة بوجمعة اللي كيما نقولوا حنا لي زاليريان تقعد برا تقعد مع راسك. دونك قعدت مع راسي وعرفت شكون أنايا. Et heureusement, même si j'ai toujours été solitaire en Algérie, les personnes qui me sont proches à la belle hombre, j'ai toujours été solitaire. Je beaucoup d'amis, je connais beaucoup de gens. Beaucoup de personnes me connaissent. N'arf nes muhimmin, n'arf nes mchi muhimmin, n'arf bzaf nes. Mais ça, mes amis, mes vrais amis, ils tressent beau sur les doigts d'une seule main, je vous assure. Et donc, voilà, humainement parlant, t'allemt bzaf hajet, et professionnellement parlant,
C'était le top of the game. Je fais des conférences, j'ai parlé de mon travail, j'ai inspiré des gens, des étudiants sur beaucoup de choses qui sont liées à mon domaine de compétences. Et les dernières 3 semaines de ce séjour de quelques mois, de 3 à 4 mois environ, les dernières semaines, c'était les meilleures parce que les meilleures et les plus stressantes parce que j'ai fait une formation de Digital Media Creation, donc la création d'un média digital avec RNTC, Radio Netherlands Training Center. Et donc, c'est une formation, Léana, j'ai eu la chance, j'ai été prise, de la bourse. Il faut savoir que la bourse pour laquelle j'ai été sélectionnée, c'était une candidature de, c'était, on était 8. On a été sélectionné, on était 8 personnes parmi 350 candidatures présélectionnées, candidats plutôt présélectionnés dans le monde. Donc, on est le monde, les men 300 ou men 350 شخص تم قبول ملف تاعو ou la candidature تاعو في la formation. Donc, j'étais très très honorée et je ne m'attendais pas qu'il m'a à côté au syndrome de Stockholm. Quand j'ai candidaté, je me suis dit, ouais, je serai la dernière personne qui va accepter. El Mohim. Et, qui a le RNTC, puis la formation, d'ailleurs, il y avait 2 Algériens. Je suis très contente, mais chiffre la bourse. La formation, tu as 3 semaines, qu'elle 2 Algériens, les Roumains, ils ont candidaté. Arrête de la formation. On a de la formation qui est derrière là, la bourse, donc c'est pas la même chose. Mais, ou 2 Algériens, je ne vais pas citer leur nom parce que Marindich l'autorisation, je ne sais pas s'ils seraient d'accord avec ça ou pas. Mais, Araf Tplinas Lidjaou, Kenou Djaou Menmasar, Kenou Djaou Soudan, Kenou Mel'alem Kamel, c'est des gens qui ont candidaté pendant 5, 6, 4, 3 ans d'affilée. Koul'am, ils sont pas retenus. Koul'am, 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 Mahtawin, ils ont été retenus. Ou Anna, du premier coup, j'ai été retenue. Donc ça, c'était déjà. C'est pas une réussite parce que c'est pas mon objectif dans la vie. Beaucoup les buts ou là, mes rêves sont beaucoup plus grands que ça, mais c'est quand même très très honorable. Insani farah. Donc j'ai fait de la formation qui a complètement chamboulé ma vision des choses concernant le domaine multimédia, concernant le domaine de l'audiovisuel. Fait de la formation. T'as une story Instagram, c'est un contenu. T'as l'impression ça peut être, c'est un format de contenu qui peut être journalistique, divertissement, etc. Il peut rentrer dans plusieurs moules. T'as l'impression le vlogging, le contenu, malheureusement, où là on nous a conditionné, etc. Alors que non, le vlogging, ouah. Fait de la formation en tout cas solo tout un module je 2 jours c'était tout un module complet à le vlogging etc. Donc c'est quelque chose qui est enseigné, vous imaginez Radio Netherlands Training Center, l'une des meilleures formations au monde dans ce domaine-là, et ben tu as le vlogging et donc 3 semaines de beaucoup de travail, on produisait énormément. À toutes les filles qui aiment les talents qui sont assistés, don't be never a filmmaker. Parce que faire produire des vidéos, c'est. T'as mis de la salle à la belle, vous avez 10 kilos, ou t'es jaloux, ou t'as tout, t'as drôle, m'en as, m'en as, m'en as, parce que Kay Nas m'a rappelé, j'ai filmé ou m'a comme. Non, choisissez un autre métier, pas ça. Parce que talent. Et ongles faits et maquillage avec ça colle pas. Merci. Il y avait des moments où on produisait un reportage photo, une chordio, ou la chia, on produisait un reportage ou là, un documentaire vidéo, une émission, on faisait des tables rondes.
D'accord, bzaf. Donc, c'était leur mode. En tout cas, c'était des Américains. Il y avait Nourelkoum, mes profs, Houma Qarraouni, que je remercie énormément. Et donc, j'étais très honorée de faire cette formation. Et c'était fatigant parce que c'était les semaines. Oui, il fallait que je prenne une décision. Et j'aimerais juste rajouter un détail super important. Mais la formation les Kounqara, ou l'établissement les Kounqara fait, c'était une prison Narbel, une prison, bah, où un centre de réfugiés. Bah, où un centre de réfugiés, elle a été rénovée, où un endroit municipal en tout cas, qui accueille des étudiants, qui c'est un centre de formation. Et c'était quand même, ça m'a, ça Le plus surprenant dans l'histoire, c'est que en fait, c'est deux choses. La première des choses, avec le contexte qui dit de fait, c'était prison. Ça, tu vois, c'était quelque chose qui repousse un peu de ma tête. Ça rimait avec torture. Ça rimait avec parce que la coutume dit me bled, oui, il y a des activistes, il y a des journalistes qui se faisaient arrêter. J'avais des collègues lesquels dans le donc Je me suis dit, oh, c'est quoi? C'est un signe italien. Mais en fait, et l'ironie du sort, c'est que même une prison peut être un endroit accueillant, peut être un endroit ouvert où on apprend, où il y a de la bonne énergie, etc. Et donc, c'était très impressionnant pour moi. Quand on a dans des cellules, je vous laisse quelques images d'un reportage que j'ai produit durant ma formation. Donc, c'était la prison, les Khaled Ferha. C'était, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup 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 appris, et j'ai complètement changé ma manière de travailler, ma manière de produire des contenus. Et heureusement, et j'ai de la chance d'avoir fait cette formation. Et de la période, c'était aussi très très dur mentalement parce que je n'étais vraiment pas bien, parce que c'était la semaine où il fallait que je prenne une décision. J'étais entre Noqad aux Pays-Bas,
m'installer carrément, repartir en Algérie pour travailler, parce que Khlet aussi mon travail en stand-by en Algérie, repartir travailler en Algérie, ou là, Njil Fransa, parce que j'avais aussi un projet de faire un master et de faire des formations en France. Donc c'était là les semaines où il fallait que je prenne une décision. Le dernier jour arrive et j'ai été diplômée. Amazing in the group, you are motivating everybody and you are trying to get the best out of every assignment that you are doing. I remember the last day you were like, no, don't, I need to finish this, I need to finish that. That is Amira, but you did an amazing job. I know you're going through a rough time, not only here, but also in Algeria. I wish you the best of luck. And I know you're going to make us proud. We will follow your vlog and everything. And guys, this is an actress and she's amazing. Yeah. Thank you. Yeah. Oh, with the poster? Yeah. Okay. One, two. Good. Thank you. Thank you. Did you have a role? Did you want to? Yes. One, two. Good. Thank you. Vina. Dites mon diplôme, j'ai dit au revoir à tout le monde, j'ai pris mes bagages et finalement, marach le Zaire, ma qa'adch aux Pays-Bas, dit le français. Et actuellement, je suis en France depuis quelques mois maintenant, parce que la vidéo, je la filme bien après, je la filme bien après tout ça. Et donc, je suis en France, je ne sais pas si je suis chanceuse ou pas. Parce que Balak et Imzaf Nasli, qui sont à l'autre côté de la rive de la Méditerranée et qui se disent ouais elle a de la chance elle est en France, bah je vous dis que non, chacun son vécu, chacun sa vie. Ce sont des moments très difficiles parce que je recommence ma vie à zéro, littéralement à zéro. Et recommencer, en plus, Anaya, chère, je recommence à la même valise, je les ai perdues. Ceux qui ont suivi mes vidéos à la Belle, j'ai perdu tous mes vêtements. C'était 15 jours après mon arrivée aux Pays-Bas, où j'ai le français, où j'ai bagage, et donc j'ai tout perdu, ça collait coulé, je mes caméras, etc. Bref, ça collait. Donc ça, littéralement, je commence ma vie à zéro. Il m'a fallu beaucoup de force mentale, je n'ai été à zéro. C'est très 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 difficile, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je fasse un choix. Beaucoup m'ont encouragé, alhamdoulillah, mes parents, le plus important, mes parents, même si c'est ma plus grande peine parce que je les ai laissés, ils sont loin de moi, je ne me suis jamais éloignée d'eux, j'ai laissé mon chat, mon animal, mon ami, un animal, un être en tout cas, avec qui j'ai vécu 13 ans, et du jour au lendemain, je ne l'ai plus. Et les gens qui me sont proches savent à quel point je tiens aux animaux. J'ai jamais vécu dans un périmètre où, dans un endroit où ils me cachent les animaux, me cachent hayawanat. Et je suis en train de boucler mon septième mois, sans aucun contact quotidien en tout cas avec les animaux, ce qui est très très bizarre, ce qui est très très difficile. Pour moi, c'est pas normal. Un humain est riche, mais cache hayawanat autour de lui, le comme un chien, je sais pas, c'est pas normal en fait. On est tous faibles, je ne connais aucun contact avec les animaux. Bon, ça c'est peut-être un détail pour certains, mais pour moi ce n'est pas un détail. Donc j'ai laissé toute une vie, les des amis, mon travail, ma famille, mes parents, tout. Et je suis ici, je recommence ma vie à zéro. Donc, pourquoi je vous dis ça? Madabi, il y a tout le monde qui a vu la vidéo, ou la personne, mais il n'y a pas. Il y a en Europe, ou peu importe où il y a. Je vous dis, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ce qui fait que l'herbe soit verte, c'est nous. Nous avons la décision. Donc, préparez-vous suffisamment psychologiquement, mentalement, blé. C'est pas aussi facile que ça, on a l'air de partir. Que c'est pas le paradis, que chez Koulichawisnafina ou il suffit pas que nous avec nos bagages ou le halatimché. Et surtout, mettre ni un membre de votre famille, ni un ami,
حتى واحد يقول لكم تنكيت بارا واحد عندي تبات عندي بطوني تفريها ولا واحد يقول لكم عليش نحل لك انا باب داري ولا واحد يقول لك اروح انا نعاونك نو ما ديروا ما تكلوا على حتى واحد جو دي باك كاع الناس انا جني با ايتي تراي الحمد لله وجي با يو دو ميم سي جي يو بوكو 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 دو سوسي بوكو دو ديفيكولتي اي يافي دي مومون وين في فرنسا كنت يافي هنا في فرنسا ماشي او بيي باسرات لي بوكو بلوس هنا في فرنسا يافي دي مومون ما تصبعش مي بون جو برون مي باجاج جو برون ما فاليز نرفد ان بيي ونعاود ندخل لزاير جو ليس تو تومبي جو مي سو با فيت بور سيت في سي دور مونتالمون مي تري 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 دور دونك جو فو دي مانيش نخوفكم ونقول لكم ماشي مليحه اي تو نو جيساي جوست دو دير كو ليكزيل il faut être prêt il faut se préparer psychologiquement il faut être vraiment prêt et surtout ما تكلو على حتى واحد كي تروحوا لازم دير في بالك ولا دير في بالك باللي كي تلحقي لهاد البلاد اللي راكي حابه تروحي لها او كو ان اوروب ولا ايور ما عندك حتى واحد عندك غير انت وروحك سي دوما tu rencontres des complications pardon et ben tu seras livré à toi-même il y aura que toi il faut toujours dire au balcon hachi ni خوك ni familtek ni un cousin ni rien du tout مليح الانسان يروح بهذه العقليه ومن بعد الا كاين الناس وقفوا معاكم سي با مال الا ما كاين حتى واحد راكم ديجا بريباري بلي حتكونوا وحدكم كيما والبلاصه اللي حتعيشوا فيها كيما تخلوا الكاس كيما حتعاودوا تلقاوه دونك سا سي سوبر امبورطون اي جو مادريس سورتو اوز الجيريان يا الجيريان باسكو نعرف لا كولتور هادي وحنا نعيشوا بزاف اون فامي نعيشوا دو موا مع نو بارون ميم سي على بالي بلي يا بوكو دو فام لي عايشين وحدهم في الجزائر جو لو تير شابو مي جو دي على بالي بلي لا بلوبار يعيشوا مع لوغ فامي اي سي سي با الكا اي سي tu te retrouves seul et donc où je dors comme moralement et psychologiquement je pense que c'est le meilleur conseil je donne pas ce conseil parce que n'arrive de venir faire comme bien au contraire je donne ce conseil parce que je me base en tout cas sur la période l'expérience les acheta je me base sur ce que j'ai vécu ce que je vis actuellement toujours donc armez-vous de passion surtout et soyez préparés mais vraiment mentalement et voilà je j'encourage كل واحد ولا كل واحد يحب دير يحب elle s'exile pour réaliser ses rêves j'espère ما تعيشوش واش عشت انا لي موفي كوتي ميم سي انا سيتي juste des leçons pour moi j'espère ما تعيشوش واش عشت انا et en tout cas ما تكلو على حتى واحد وما تروحوش عند la famille les amis هذا فلان قال لك راح نعاونك ولا هذاك باسكو كي تلحقوا لهنا يجوز اسور شحال من واحد وحده لحقت لهنا ما لقات حتى واحد فريمون ما لقات حتى واحد اتونسيون فات اتونسيون تكلوا على روحكم venez dans le cadre des études ou d'un travail d'installation j'ai quitté les Pays-Bas j'ai laissé toute une aventure toute une vie j'ai laissé beaucoup de choses encore une fois je recommence ma vie à zéro hnaya c'est mon dernier jour d'ailleurs aux Pays-Bas je suis en train de ramasser mes affaires, aller le train dans 2 heures, alors un nouveau pays, une nouvelle destination, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi. J'espère que je pourrai accomplir mes rêves. Pour le moment, pour le moyen terme, j'envisage de m'installer en France. Mais plus tard, je ne sais pas. Peut-être que je reviendrai en Algérie. Peut-être que j'irai vivre dans un autre pays. Mais à la Belgique, en tout cas. Je suis ouverte à toute expérience. Si je peux vivre dans les Pays-Bas, ou je peux vivre en France, c'est que je peux faire tout. Je peux vivre dans n'importe quel pays. Je peux m'adapter avec n'importe quelle culture. Et je pense que c'est l'une des plus
Belle leçon que j'ai appris en tout cas, l'exil terri qui est de courte durée dans le cas. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. Dans quelques années, là où nous l'ira, on se marre, je me dis, oh, tu reviens de très très loin, Amira. Qui m'a les Pays-Bas, qui m'a lui, je reviens de très très loin, les Pays-Bas, donc, Amira, qui va m'aller dans quelques années, parce que je documente toutes ces expériences. Là où je me dis, ah. Et voilà, ben j'espère en tout cas, bah, de l'expérience, bah, le témoignage que je fais aujourd'hui. Il est Arfounas, les mêmes soucis, non, mais qui s'intéressent, partager cette vidéo, pourquoi pas, seulement à des gens, en tout cas, de la vidéo, partagez-la et écrivez-moi en commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre. En tout cas, je réponds à tous les commentaires et je réponds à toutes les questions sans tabou, qu'est-ce que vous en pensez en tout cas? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette décision que j'ai prise? C'est décision parce qu'on a fait bzaf, les décisions fait work srir. La première fois qu'il y a autant de décisions fait work srir. Donc écrivez-moi ce que vous en pensez. Vous avez mes réseaux, la barre d'infos, mon Instagram, mon TikTok, même si TikTok, je fais bzaf, mais mon Instagram. Donc écrivez-moi le tata et puis j'espère que le témoignage et j'espère que ma vidéo. Un ton soit peu et merci beaucoup d'avoir regardé et au revoir dans un prochain format, une prochaine vidéo. Wallah, la photo اللي دارت بزاف تاع جمال الله يرحمه هي تاعي انا اللي صورتها اي بويسك مات بون انجوستيس جي ديسيدي دو peut-être de lui rendre hommage ou je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais j'ai imprimé j'ai fait خرجت la photo تاعو المشهوره وراح نمدها هنايا une ONG تحطها c'est une ONG تاع la justice qui prône la justice. Donc je pense que c'est très significatif, ils exposent cette histoire de Jamel Ben Smaïl. Et en même temps, je suis à l'affaire de Jamel Ben Smaïl. Ou Inch'Allah, les injustices qui sont dans le monde, mais voilà. Et l'histoire de Jamel Ben Smaïl mérite de voilà. Donc je voulais vous montrer la photo, ce que ça a donné, qui est là. Hadi, c'est la photo originale et qui m'a raconté il y a ma signature. Vous pouvez même revenir sur Facebook pour le jour où j'ai publié cette photo, c'était en 12-12-2020. Non, c'était pas un 12-12, c'était après, mais la photo a été prise le 12-12-2020. J'ai publié cette photo. Voilà, s'il y a une personne qui le connaît, qui le tag, j'ai pas eu de retour. Donc voilà, toutes les personnes qui ne vont pas peut-être croire que c'est ma photo. Les tsarqa, tout le monde a dit que c'est ma photo et tout. C'est pas ça le plus important, mais pas pour les combler. Voilà, je voulais lui rendre hommage et en même temps offrir un cadeau à cette ONG.